Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Problème du mardi 16-44. Si A, B et C sont trois nombres impairs consécutifs rangés par ordre croissant, quelle est la valeur de A au carré moins 2B au carré plus C au carré? Vous pouvez mettre pause la vidéo pour résoudre le problème et nous allons le résoudre juste après. Alors prenons par exemple les entiers 1, 3 et 5. Alors, a carré moins 2b au carré plus c au carré. Donc ici c'est a, ici c'est b, ici c'est c. Donc a au carré, c'est 1 au carré moins 2 fois 3 au carré plus 5 au carré. Donc ça nous fait 1 moins 2 fois 9 plus 25. Donc 26, 1 plus 25, 26, moins 18, ce qui nous fait 8. Alors on va prendre maintenant 7, 9 et 11. A, B et C. On va avoir 7 au carré, moins 2 fois 9 au carré, plus 11 au carré. Donc 49, moins 2 fois 81, plus 121. Alors 49 plus 121, ça fait 170, moins 2 fois 81, 162, c'est égal à 8. Alors conjecture qu'on va démontrer. Pour tout A, B, C, trois nombres impairs consécutifs rangés dans l'ordre croissant, la valeur de A carré moins 2B carré plus C au carré est égale à 8. Démonstration. On va prendre donc A est égal à 2K moins 1, B est égal à 2K plus 1, et C est égal à 2K plus 3. Avant de faire la démonstration, on peut remarquer que si on, que ce soit positif, que ce soit les trois nombres soient positifs ou négatifs, A carré moins 2B au carré plus C au carré sont positifs. Alors, A au carré c'est quoi? C'est 2K moins 1 au carré, moins 2B au carré, donc moins 2 fois 2K plus 1 au carré, plus 2K plus 3 au carré. On fait les développements. Donc ici 4K au carré moins 2 fois 2, 4, 4K plus 1, moins 2, donc 4K au carré plus 4K plus 1, plus, donc ici on a 4K au carré, 2 fois 3 fois 2, 12, plus 12K, plus 9. On va ensuite développer ici, donc 4K au carré moins 4K plus 1, moins 8K au carré, moins, donc moins 2 fois 4, 8K, moins 2 fois 1, 2, plus 4K au carré, plus 12K, plus 9. Donc maintenant on réduit l'expression, on a 4 moins 8 plus 4, ça fait 0, donc 0K au carré, moins 4K, moins 8K, 12K, plus 12K, 0, plus 0K, plus 1, moins 2, moins 1, 9, moins 1, 8. Donc ensuite, cette expression-là est égale à 8. Et bien entendu, si comme on a pris k appartenant à z, donc cela fonctionne pour tout k entier relatif. Bien voilà pour ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.